Je suis là, c'est là.
C'est parti les amis. Et salutations à tous, ici le Myop en direct de Kabel TV. Salut Artaïk, j'espère que vous allez bien. Que votre porte est fermée à clé et que votre portable est éteint. Ce soir, on affronte Humbert avec ses morts-vivants. C'est la saison 15 et la journée numéro 4 de la Belgium Bowl avec la super division, les AT. Alors, mes affamés, ils sont là. On a fait une nouvelle recrue, hein, avec Artaïk et ses 4T. Sinon, on a pris cher. Je vais me tâter même presque à prendre encore un 3 quarts. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Lui est décédé. Donc, ça sera Hans Sotor Junior. Je voulais prendre une, un 3 quarts. Le père Marquis m'a fait extrêmement mal hier soir. Salut Mérissi! On achète ça vite fait. On confirme les achats. Hop là. Notre adversaire est en ligne. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a, notre ami? Il a pris des dégâts. On va avoir son 4 de force. Oui, je l'ai dit hier soir. Qui va lui manquer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on accepte le match. Ce soir, il n'y aura pas de vocal. Puisque la madame de Humbert est devant la télé. Comment ça va les gars? Alors, on va rien prendre, hein, parce qu'on n'a pas de quoi. De toute façon, ça ne change rien. J'espère que le son est bon. On a à peu près tout ce qu'il faut. Et il va falloir jouer à l'elfe. Mais cette fois-ci, de façon un peu plus hargneuse. C'est ça, exactement. Le fiston et le papou. Ce qui fait qu'on a rattrapé notre retard en ZAT. Puisqu'il y a trois matchs... Il y a trois matchs en clette et seulement un match en tiche. Si ma mémoire est bonne. Allez, c'est parti pour du beau jeu. Oui, je sais, j'ai vu que tu avais joué cet après-midi. Bon, on ne présentera plus l'uniforme officiel de la Belgiane. Il a mis ses morts-vivants en blanc. Ceci dit, ça colle avec les bandelettes. C'est vrai que je lui ai pas dit bonjour, mais comme on s'est salué tout à l'heure sur le Discord, j'ai rien fait de plus. Ah, les pois jaunes, c'est la vie. On va recevoir le ballon, on va se le faire piquer, mais c'est pas grave. On va afficher quelques compétences, histoire de pas trop se faire surprendre. Toi, tu vas y aller, on avance, on esquive et on marque. Et il faut marquer en deux tours. Et je pense que j'aurais même presque pas dû prendre l'attaque en fait. Alors, il veut frapper. Ok, il recule tout le monde, il sait qu'il va prendre des coups. Il a sa momie, ici. Sa momie garde, voilà, j'arrivais pas à trouver la compétence. Ok.
C'est une déclaration assez intéressante. Ah mais c'est vrai qu'il me manque un... Il me manque un... Ok. Alors on va pas le faire comme ça. On va faire un mur à 4. Protéger la furie. La furie qui devrait... Qu'on va essayer de faire pex, hein. Un maximum. Parce que le plan idéal, ça serait quand même de la faire pexer assez vite. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, on va devoir blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être tendu. D'autant que... On va essayer comme ça. Allez, on valide, c'est parti, c'est l'engagement. À quelle sauce on va être mangé? On va vite le savoir. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il avait mis. Une chandelle. Alors, la chandelle, ça c'est pas mal. On va y aller avec lui. C'était plus ou moins le plan. Ça rattrape, c'est des elfes, c'est magnifique. Ouais. Alors, on a dit, on frappe ici. On l'atomise. On est pas mal. Ensuite, là pour le coup, on va frapper par là. C'est un pot. On va tenir ici. J'aurais peut-être pas dû, mais là on va poursuivre. Lui, il craint pas grand-chose. Donc on aurait le blitz à faire. Ou on aurait un écrasement à tenir. Toi. Tu vas remonter ton terrain. On sait que tu vas venir. La goule peut venir jusque-là. Ça sera 2 GFI, mais vu qu'on va cager un petit peu, ça sera pas mal. On l'a avancé, donc on va blitzer tranquillement et après on va double ridoter et ça sera bien. Eh bien, écoute. Comme ça se tient. Toi, tu viens ici. On va double ritouter, on a dit. On sait très bien que tu vas venir nous blitzer. Ouais, c'est même pas la peine de chercher trop. On a lui qui peut venir ici. Et on pourrait lancer une incursion de l'autre côté. Parce que le problème, c'est ça. Hein. Le problème, il va être là. Bon, 2 cases. Mercredi. Bon, bah, c'est pas grave. On a perdu un mouvement pour rien. On fera un GFI à la place. Ça sera pas plus mal. Toi, ça c'est au cas où ça passe. Et est-ce qu'on pourrait pas lancer une autre incursion en guise d'appel? Je pense que c'est une pas mauvaise idée. C'est pas grave, on va pas le relancer, on va juste espérer qu'il ne meure pas.
Bon, bah Turtle est KO. Ça commence déjà pas trop mal. Donc l'effraiement va pas être aussi terrible que ça. Tu m'étonnes que c'est bien bien ça. Tu m'étonnes. Ouais, le problème c'est que... Non, il y a ici il y a une esquive, ici il y a une esquive. Donc non, on n'est pas si mal que ça. Mais de toute façon, à tout moment, on est prêt à changer de côté. Donc ça, on savait qu'il viendrait nous tenir la main. Je pense qu'il va essayer de venir s'en prendre à Wolfsbrus. S'il s'en prend pas à Wolfsbrus, je pense qu'on peut essayer d'aller blitzer cette momie là. On pourrait même essayer. Si je la viens ici, toi je reviens ici. En la poussant, je pourrais presque la blitzer avec. Je pourrais presque la blitzer et la sortir. On va voir comment on va s'en sortir sur son blitz à lui. Ou alors je la joue safe. Je cherche même pas à m'en occuper de la demi-roussos. Enfin, du demi-roussos, hein. Voilà, donc ça on le savait. Sa peau. Ça par contre c'est plus ou moins triste. Bon, sachant que l'armure tient bon, donc ça on est plutôt pas mal. Bon, du coup on pourra pas spécialement. Ok. Ok, ok. Donc toi, on sait que tu vas te relever ici. Mais on pourra pas s'échapper. Toi, c'est tenu, donc ça on le sait. Ouais, mais ça... ouais. On va partir plein de gauche et ça sera marre. On poursuit de toute façon, ça change pas grand chose. On est plutôt assez large donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et il va falloir esquiver comme un fou. Jusqu'où je peux courir? Toi, tu sais que tu vas courir jusque là.
Il y a lui qui va nous casser les pieds. Ouais, celle-là, elle va. On va la relancer, celle-là. Il faudrait vraiment qu'elle passe. Parce que il fallait vraiment que je ferme le truc. Toi, tu vas venir, tu vas venir. Non, il faut que je te force à... Ah, c'est pas vrai, les esquives qui veulent pas passer, c'est pas... C'est pas mal, c'est mal. C'est quand même mal. Après, le problème, c'est qu'on est quand même tenté. On est obligé de les tenter, ces esquives. Je peux pas trop rester au contact. Donc, comme on dit, au moins le sol n'a pas châtaigne. Je sais pas si j'aurais dû me concentrer davantage sur cette momie-là, mais bon, c'est à 5 de force, c'est trop compliqué à faire tomber. Ça, on savait que ça viendrait, hein. On le savait. Il y avait potentiellement un risque. Je pense que j'aurais blitzé plus haut et surtout j'aurais essayé de coller. J'aurais essayé de m'en prendre à châtaigne là. Bon, c'est pas trop tard, hein. Je le vois mal venir ici pour essayer de tenter d'intercepter et de faire un trou plus, plus profond, mais. C'est bien le genre de choses que moi j'aurais fait en fait. L'armure tient bon, il va pouvoir taper une deuxième fois sans bloc cette fois-ci. Bon, il a pas besoin. Ouais. Et où les blessés? C'est un peu trop tôt dans le match, mais bon. Le problème, c'est que c'est un blitzer, et ça, ça fait pas plaisir. Donc là, on passe du mode c'est pas trop mal à c'est casse-pied. De GFI, on n'y arrivera pas. Donc on peut tenter ça par contre. Là, techniquement, on avait. Non, je me suis trompé. Mais il faut pas oublier que le plan, c'était celui-là. Donc on va s'en tenir au plan. De 3, 4, 5, on blitz, on vient poser en renfort. Ah, sauf si ça, ça se produit. Auquel cas. Ah oui, je comprends que tu te tâtes, hein. Mais on va repousser, forcément. Bon, Serge est KO. On va être obligé de passer la seconde. Et la seconde, elle va être carrément plus compliquée que prévu. Donc tout ça, c'est dead. C'est dead dans l'œuf. C'est dead dans l'œuf. Donc ça du coup c'est forcément avec un paquet. Ça sera marqué.
ça sera marqué. Donc on va être obligé de reculer. À moins que... Ça va foirer. Hein. Ça, c'est une esquive à 3+, donc c'est une esquive d'humain. C'est quand même très tendu. On a ça, mais ça c'est tout pareil, c'est du 2 des rouges. On a ce 1 dé là. On a ce 1 dé. Qui pourrait faire des choses ici. On a ça, c'est 3 fois de plus. On a vu que ça se passait super mal. Le truc c'est que ici. Bon alors. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Mais bon, il va quand même... La question, c'est qu'ici, on va être obligé de prendre un coup avec Jash. Et ça, j'aurais préféré... J'aurais préféré éviter. Bon. Au moins, on sécurise la balle. De toute façon, faut que je marque. Ouais, on va la relancer. Tant pis. On jouera sans filet. On jouera sans filet, c'est pas bien grave. On avait une occasion d'avoir elle, donc. Il faut absolument l'en empêcher. Par contre, on a juste fait un truc. Hein. On a juste fait un truc. On va être obligé de le faire comme ça. On va être obligé de le faire comme ça. Donc ici on va se faire frapper. Ici on va se faire frapper. Donc elle, on va la ramener là. Toi, tu vas venir... Putain, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est un paquet, hein. Et merde. Et mercredi. Ah, mais les chaos, c'est atroce. Ouais, on va espérer que je jette la bourrette de 1 ici, mais... Bon, par contre, le GFI était absolument pas utile. Il changeait pas grand-chose, hein. Malheureusement, la furie est un peu exposée, donc... Le problème, c'est surtout qu'il peut venir quand même porter un assist ici, me blitzer à 2D. Non, ça serait du 1D. Ouais, j'enrage ici, là, c'est... Parce que du coup, notre casse-coule, il est trop loin, et ça va être super chiant. Et là, ça va être un blitz à 2D. T'as pas trop de questions à te poser. T'as même pas de questions à te poser, tu viens ici, et c'est marrant. Ça, c'est pour empêcher une éventuelle retraite. Je blitzerai d'abord
Ouais, parce que là, du coup, tu viens de te... Non, c'est bon. Tu t'es pas fermé la porte, mais ça va être compliqué là. Parce que tu vas être obligé de passer par derrière. Je pense que ça aurait été mieux de le passer par devant. Du coup, il a pas fait le but. J'ai fermé les yeux pendant 5 secondes. Je voulais pas voir le carnage, mais bon. Du coup, on y va comme ça. Et ouais, forcément, sa peau, hein. Sa peau, sa peau. Et ça va être très compliqué de s'en sortir. Le blitz a eu lieu, donc il va au mieux, il va chercher à coller Artaguette. Et là, il va chercher à refermer. Bon, on va être obligé de faire l'elfe, hein. Donc ça va être super chiant. Ça va être super chiant. Parce que le seul play qu'on a, c'est celui-là. Avec un ramassage à 4+. Potentiellement, on peut faire tomber les mains dans son joueur. Le pire, ça serait le solitaire. Ici, on peut plus esquiver parce qu'on est prisonnier. Donc, on va tenter des trucs. Au moins, on a la balle. Par contre, je croyais que si je la rattrapais sur une action comme ça, j'avais pas de turnover. Note pour plus tard, si t'échoues ton ramassage, c'est forcément un turnover. Bon, il y a beaucoup de scénarios, mais celui-là est pas terrible. Par contre, j'aurais dû relever mon joueur. Parce que là, on va se faire frapper. Et de façon assez incommensurable, en sachant que je commencerai quand même par celui-là. Histoire de pouvoir taper, voilà. Non, non, c'est très très mal joué. Je me suis laissé déborder par sa défense. Et j'ai mal anticipé mes GFI. Il va juste falloir qu'il ramasse pas. Et on pourra peut-être tenter de s'en sortir. Probablement panic time, oui. Mais je voulais vraiment essayer de marquer vite, quoi. Encore une fois, tout n'est pas complètement perdu. Mais on va être obligé de faire des ramassages à 3+, 4+. Bon, bah voilà, ça s'est ramassé. Il peut se tirer à peu près n'importe où. Et on le rattrapera pas forcément. Mais bon, les 2+, c'est pas censé être la mort, hein. C'est pas censé.
On peut toujours y aller. Bon, il y aura forcément un GFI, ça sera forcément un dé. On pourra plus y aller. Passer au travers de la ligne de défense, ça va être super chaud quand même. Non, non, c'est lui. Lui, j'aurais dû faire des choses avec. Ouais, mais forcément, si on se fait coucher toute l'équipe aussi. Et ouais, l'agression, elle tient complètement la route. Hein. Elle tient complètement la route. Bon, heureusement, elle fait trop rien, l'agression. Ça nous ramènera du 1D. Et on peut taper une fois, deux fois. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ça serait, en plus, ça serait gaspillé. On a ce bloc-là. Mais de toute façon, ça nous apportera rien. Ça nous changera rien, ça nous changera pas la vie. Bon, ça va, je me suis pas fermé la porte bêtement. Allez, c'est parti. Ça, c'est une esquive. Ah merde! Quel con! Quel con, mais quel con, mais quel con. Activer le blitz d'abord, purée de purée. Mais oui, on utilise l'esquive. Mais c'est pas possible d'être aussi calu. Ça m'énerve. Ça m'énerve. La seule bonne nouvelle, c'est que la goule est marquée, mais bon. Vu ce que ça va nous rapporter. Notre seul espoir, c'est qu'elle soit poussée. Et qu'il fasse pas de GFI. Ah, ça, il va la relancer, hein. Et c'est le triple crâne. Et ça, c'est terrible. Celui-là, il est terrible pour lui. Il est absolument terrible. Bon, le problème, c'est qu'on va être obligé de tenter un 2D rouge. C'est...
Ça, c'est une esquive à 3+, mais de toute façon, on viendrait rien faire. Faudrait taper une première fois à 1D, une première fois à 2D. Mais en vrai, c'est à peu près tout ce qui nous tente. Faire un 1D ici et faire une esquive. Blitzer. Et taper encore une fois un dé. Sans espoir pouvoir la relancer, quoi. Je préfère encore l'option. Mais c'est pas croyable. C'est juste pas croyable, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est un air coincé. On réussit absolument aucune esquive. C'est pourtant pas des esquives ultra compliquées. Je veux dire, celle-ci, c'était qu'un 3+. Je fais un 2. Et paf, exactement. Et là, elle tient pas. Ah si, elle tient. Si, si, elle tient. Donc on peut encore éventuellement aller la chercher, mais là, ça va, elle est super loin, quoi. Je veux dire, la seule qui pourrait, c'est ici. Après, derrière, ouais, 2 GFI en passant au milieu de tout le monde. Je pense pas que le play était délirant parce que venir apporter la 6, de toute façon j'y serais pas arrivé, et puis tenter un 2D puis un D, je vois pas vraiment comment ça aurait pu changer la donne. Statistiquement, je pense que c'était un play intéressant d'apporter la 6 et de taper deux fois. Ça faisait toujours 3D contre un D, ça c'est sûr. Mais si c'est pour faire tomber la balle et être incapable de la ramasser, je vois pas l'intérêt en fait. Par contre, on se fait défoncer, quoi. Et là, je vais avoir une équipe en carton au prochain match, mais juste horrible, quoi. Ceux-là, faut pas que tu les décolles, parce que sinon, tu vas être dans le mal. Parce qu'on va y aller, hein. On va même pas chercher, hein. 3, 4, 5, ouais. L'agression à 5+, c'est blessé. Ouais, il se fait expulser, mais. Ouais, bah, je sors le match de ma vie, hein, c'est sûr, hein. C'est sûr. Et là, il faut que j'y aille comme ça. Avec des 4, des 3, des. Je sais pas quoi. Et l'incapacité d'être en mesure de revenir, quoi. Merci. Par contre, contre-signature, hein. Je fais des 1 à gogo et en fait c'est juste pas pensable, quoi. Bon, après on en a vu des trucs, hein. On en a vu 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, oh, mais...
On réussit les trucs difficiles et on échoue sur les trucs faciles, quoi. Bon, Artaguette s'en sort bien. Décidément, je vois pas où est-ce que je rate le coche avec ces foutus elfes. Alors si, vous allez me dire, c'est le placement qui pêche, tu le sais. Je le sais, nous le savons, vous le savez. Mais quand même! Disons qu'à chaque fois, je pense que ma défense, elle tient trop à un bloc. Je pense qu'il va pas foirer et qu'il foire systématiquement. Ouais, mais les inges, ok. Non, enfin ouais. Après, tu dis les sorties, je suis d'accord, mais... Les sorties sur 1, sur le GFI, ouais, ça c'est vraiment... Pas de bol, je crois que je peux le dire comme ça. Le reste, là, voilà, je prends des blocs. On le sait, hein. On le sait que les elfes, c'est fragile. Voilà, bon. Après, on est à une grosse, grosse... Ici, on a une grosse... Une grosse buvette, on va dire. Et faire un stop, ça va être déjà chaud. Faire un stop plus... Lui prendre deux fois la balle sur deux engagements, ça va être la misère, quoi. Sachant que là, le seul play qui me reste, c'est de le pousser dans la cage. Si, c'est la buvette, là. Et on vient le coller contre. Mais on va se faire. De toute façon, on se fait. On se fait houspiller. Donc, c'est pas grave. Bon. L'idée, c'est quand même de sortir Artaguette de ce guépier. Et ici, soit de le pousser ici, soit de le pousser là contre, mais si je le pousse contre, de toute façon, après je pourrais essayer de tenter le one turn. Hein. Je pourrais essayer de tenter le one turn, voire de récupérer la balle. Salut Turtle! Turtle, t'es le premier blessé. Ah non, t'es le premier dehors. Il y a un moment, j'ai trop réfléchi et je me suis panic room. Je vois pas ce qui te fait dire ça, Turtle. Je vois pas du tout de quelle série tu parles. En plus, j'ai que deux KO qui sont revenus, j'en ai compté trois. Bon, comment qu'on fait? C'est ma foi pas ultra compliqué. Toi, tu viens là. Oui, le jeu, je sais que tu vas être pas content. Et on va le stopper. Et si jamais il y a un blitz, on échappera comme on pourra et ça sera marrant. Alors, non, j'ai pas encore collé. Pas trop, disons. Un peu.
Je pense qu'il fallait, dans une mesure du raisonnable, pour essayer de tenter des plaies, et voilà. Et c'est parti en cahuète, un truc de fou sur des GFI. Alors sur un GFI où j'ai mal calculé quand j'ai cliqué, et à partir de là, ça a été la débandade. Enfin, j'en ai quand même deux qui sont sortis sur KO, sur GFI raté, quoi. Donc, après, j'ai tenté des trucs, donc forcément, ça se passe mal, mais voilà, quoi. Je veux dire des esquives à 2 plus qui font des 1. En fait, je fais des 6 sur les blessures. Je fais des 1 sur les esquives et des 6 sur les blessures. Donc forcément, ça se passe pas bien. Pourtant, l'entame de match, elle était pas si nulle que ça, hein. Mais il faut vraiment que je m'entraîne à marquer. Ouais, celui-là, elle est moche. Elle relance, hein. Enfin, quoi que, tu t'en fous un peu en vrai. Tu prenais les deux au sol, turnover. Je pouvais pas faire grand-chose. Maintenant, t'avais 4 relances, donc ouais, ça vaut le coup. Ouais, je crois que ça va agresser. Je peux pas savoir si vraiment je blâme les dés ou pas, mais toujours est-il que le banc témoigne de la violence du match quand même. Et là, il va falloir tenter un stop, vol de balle. Pour arracher un nul. Ça va être quand même super temps d'axe, quoi. Sachant que le blitz n'a pas eu lieu. On t'agresse, ok. Ok. Bon, on va être obligé d'échapper, hein. Ça, on peut aller lui mettre un 2D dans la... on peut lui mettre un dé dans la bouche. Mais on fera rien reculer. On fera pas reculer de joueur. À part essayer d'aller tenter de lui. Ouais, ça va être super chiant. Voilà. Voilà. Pourtant, je m'étais préparé, hein. J'avais fait des étirements, j'étais chaud. J'étais relativement serein. Ici, il va cager correctement. C'est pas la peine de se précipiter. Il protège l'arrière de sa cage. Le seul point faible, ça va être ce péon. Salut Titou!
Voilà, si tu veux un résumé du match, voilà. Ça résume assez vite l'ambiance de ce soir. Non, mais je crois que je vais retourner avec des hommes lézards, des Nurgles, des KO, des trucs sympas, quoi. Je pourrais lui mettre 2x2 dés en collant le ici, mais en exposant à mort le. De toute façon, tu viendras et tu. Quoi qu'il se passe, tu pourrais blitzer ici. Le danger, c'est lui. Le danger, il va venir d'ici. Parce que je vais blitzer ici. Arriver à coller lui, c'est impossible. Blitzer la goule, c'est impossible. Donc faudrait tenter des esquives à mort. Donc on va le faire en mode. Check, 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 check. On va tenter de faire pexer Artaguette, hein. Une première fois, touche touche. Saloperie, hein. Saloperie de D1. Il y a une esquive à 5 plus de la mort qui tue. Et ici, c'est pareil. On va pas super loin. Donc je vois pas trop ce qu'on peut tenter de plus. À part tenter une incursion ici. Mais celle-ci, elle va. De toute façon, c'est tout du cas plus. On va essayer de se tirer un petit peu du chemin. Et on va essayer de rameuter du monde. Voilà. Voilà. Ah, c'est gentil de dire ça, Titou, mais je crois vraiment que c'est plus que. Il faut que j'apprenne à pas acheter des dés, quoi. Ce pauvre cochon, il en a ramassé des vertes et des pas mûres. Il manquerait plus qu'un de ce tort soit encore de nouveau une fois blessé sévèrement, et là, c'est. Avec GFI, quoi qu'il arrive. Venir me pousser la contre. Ah non? Ok. Alors ça, c'est ma réplique, Titou.
Bon. C'est chiant. Hop, non, bah même comme ça, quand y a rien, ça saccade, donc bon, c'est pas grave. Allez, les chaos sont revenus. On joue à 11, moins 5, on joue à 6. On joue à 6. On sait qu'il faut frapper, et il faut frapper fort. Le seul problème, c'est que j'ai plus de blitzer. Donc mon seul espoir, ça va être quand même de l'empêcher d'avancer sévèrement. Et mon seul espoir, ça va être de blitzer ici. De blitzer ici et de me barrer. Me barrer et tenter de rattraper ce merdier. Sachant que personne ne reviendra. Donc, il faut marquer, faire un stop égalisateur. Et refaire un stop égalisateur pour essayer de sauver le match. Tout ça en 6 tours. J'aime autant en 4 tours. 5 tours, 5 tours, 5 tours. J'aime autant vous dire que ça va être tendu du string. On a des joueurs qui sont en capacité de ramasser. Donc l'idée, c'est d'essayer de couvrir un maximum de terrain. Et ici, on couvre à peu près tout ce qui est nécessaire pour en cas de kick un peu profond. Ça va être, mes amis, un peu tendu. Alors, d'abord, un peu des bulles. Parce que bon, on va pas se laisser aller, hein. Et on va valider ça. La goule qui kick. Une météo clémente, on n'a même pas un truc à notre avantage. Ça va juste être ultra casse-pied. Check. 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 Et c'est la fin des haricots. Petite blessure. Non, même pas. Tant pis. Parce qu'en vrai, il faut que je ramasse la balle. Et que je lui la passe. Et que lui il se barre avec. On finit le mouvement, on lui transmet. Voilà qui est fait. Toi, tu viens là. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Donc. Ouais, super. On a perdu un mouvement, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, encore une fois. Mais c'est incroyable, hein, ces deux plus. C'est incroyable.
hésité à faire ça, je pense que j'aurais pas dû relancer. C'est juste à proprement parler un massacre. Check. Bien sûr que tu viens me couper la retraite. On va être obligé d'y aller à deux fois la furie et à deux fois un dé. Finir sur un pot pour taper lui et se barrer avec la balle. J'aime autant vous dire que ça va être atroce. Et oui. Et là, la balle, elle sort, c'est la goule qui la récupère. Non. Mais vous pouvez pas la rattraper, sérieusement? Ouais, merci. Merci les gars, quoi. Trois plus, deux plus, deux plus, deux plus. Non, bon, bah encore plus de deux, trois plus. Ça va être juste chiant. Donc, 3, 4, 5. Ça, c'est un anti-assist qui marchera pas. Ça, on peut le faire. Le seul truc, c'est qu'on s'échappe pas. Mais on va se satisfaire de ça. Un dé, puis après ça sera deux dés rouges. Tant pis, on ne le sortira pas. Hein. Ah si, tu veux. Ok. Bah écoute. Et on va jouer à cache-cache. Et on va jouer à cache-cache. Toi, tu frappes.
Au mieux, tu peux m'en sortir un, et suivant comment ça se passe, on peut quand même marquer. Au moins un pour l'honneur. Parce que bon, hein, passer par là, c'était juste pas pensable. Par contre, on aura Papex sur l'armure, c'est juste... Ouais, bon, bah ça, ok. Hein. La goule ici, tu viens, tu frappes. Dis-moi, Titou, est-ce que ton navigateur a cessé de faire des siennes? Non, mais là, il va vraiment falloir que je vois. Je comprends pas. Il va vraiment falloir que je fasse autrement. Hein. Faut vraiment que je fasse des plans à deux étapes. Le pousser, ça suffit. A priori, je résiste. Finis pas le mouvement, ok. Non, ça va tenter l'aggro sur Bodger. Allez, tu résistes, casse-cou. Oh, casse-cou est blessé. La sentence. Il est sauf. Mais c'est le myope du lion qui se fait expulser. Sacré chevalier au lion, quoi. Ça nous fait une esquive à 4+. On se barre ici. Ça, c'est un GFI. On fait 2-2 plus en blitz et on se barre. Mais les esquives, quoi, sérieusement. Les esquives, les GFI, quoi. C'est juste... On va pas faire le salé, mais je pense que je pense pouvoir dire que je suis hors stat. Tu m'étonnes. Double crâne? Non. Est-ce que la balle voudrait bien aller sur un endroit incongru? Non, même pas. Là, ça aurait été bien, là. I am disappointed. C'est quand même chose, cette histoire. Parce que la traversée du désert, ça fait quand même un petit moment qu'elle dure. Et je peux pas toujours blâmer la malchance.
Alors, est-ce que ça va être le premier pitch clear de ma carrière? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Parce que... Ah, j'oublie systématiquement le bon. Non, mais c'est gentil d'être venu, hein, mais arrêtez de vous infliger tant de souffrance. C'est juste pas la peine. À ce tarif-là, quitte à faire 2-1, j'aurais préféré tenter le double crâne ici, hein. Après, il est sûr que je tente des plays qui sont extraordinaires. Enfin, ouais, par contre, l'aggro sur la witch, j'avoue que s'il passe, ça va être compliqué. Parce que j'aurais dû à faire des deux dés rouges pour essayer de se sortir les doigts du derche. Je veux dire, là, si je veux l'avoir, voilà. C'est juste incommensurable et encore je suis en bout de course, c'est-à-dire que je peux même pas le blitzer quoi. Je peux même pas tenter un play à la con du style on fait ça. Et on vient pour essayer de pousser lui, pour essayer de gagner une case. C'est même pas pensable, quoi. Et là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il marque. Donc on va même pas chercher. Je tente un peu, j'avoue que je le remercie de pas m'avoir trop défoncé. Est-ce qu'on peut faire un 3D? Non. Est-ce qu'on peut faire un one turn? On peut pas faire de one turn. Le pousser. Non, bah non, j'ai pas assez de joueurs. Mais c'est juste pas. C'est juste pas envisageable en fait. Parce que même si je viens, je fais ça. Je le pousse ici, je le pousse ici. Et ça viendra ici. Je pourrais pas tenter quoi que ce soit d'autre. Bon, bah c'est la fin du match. On va essayer de faire une passe pour l'honneur.
Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Et ben en faisant ça, hein. Tout simplement. Voilà, c'est à peu près le seul truc de bien qu'on va faire durant tout le match. Allez, on tente les indés. Ça pousse, c'est magnifique. Là-dessus, il y a un dé. On y va, hein. De toute façon. Merde, j'ai cru que je pouvais glisser ici, quoi. Ça, c'est pour le plaisir. On se fera exclure, c'est pas bien grave. Désolé, c'était pour le principe. J'ai pas eu une occasion. J'ai pas eu une seule occasion. Hop, ça c'est on fait la petite page de pub pour rappeler que c'est la Belgiane. C'était la journée 4, une journée cauchemardesque. On fait un 3. Ma foi, au niveau SPP, on fait un point. Hein, parce que le 5, on va pas le compter. Ici, ça s'est gavé. Là, franchement, Artax, je suis désolé parce qu'il a fait le plein de SPP. On va valider. Comme ça, je prends le réflexe de valider tout de suite les matchs. On y retourne, on va voir. On s'est fait maltraiter. Bon, ça, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Au niveau des GD, parce que je suis très curieux. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. 29-1, 24-6. Je pense que les 5 et les 6, je les ai fait que sur les blessures. Parce que des 1, j'en ai fait une pelletée sur les esquives. Esquives, voilà, j'en fais 62. Hein. Donc j'en ai réussi quelques-unes, hein. On va pas se mentir, mais c'est pas terrible. Hein. Au niveau des blocages... Oh, magnifique, j'ai fait 0 crâne. J'ai fait 0 crâne, quoi. Bon, par contre, j'ai fait 5 pots. Là, c'est... Voilà, hein, c'est pas... On est tout à fait sur une courbe de stats classique. Par contre, 4-1, 6-1, sachant qu'il y a les jets d'armure ici qui sont comptés. Donc, il a absolument pas jeté une pelletée de dés. Hein. C'est moi qui l'ai fait pour lui. Et c'est juste... Enfin, même là, je veux dire, on n'est pas... C'est un tracé qui est relativement plat. Avec une petite bosse sur les 3 et les 4, mais rien d'incommensurable. Le reste, c'est très plat. Voilà. C'est.
Ah bah non, 62% pour des elfes, non, on va pas se mentir, c'est pas folichon, quoi. Parce qu'en termes de GD, il a rien à jeter, hein. Il s'est juste contenté d'exploiter la faiblesse, quoi. Alors, on va pas se plaindre, mais toujours pas de pitch clear. Ça, c'est comme ça, c'est fait. Honnêtement, je pensais pas prendre aussi cher que ça. Mais je pensais l'enrhumer un peu plus fort que ça quand même. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas tergiverser 30 ans. Il faut que j'arrête les équipes agiles. Je crois que c'est pas la peine de se prendre plus le crâne que ça. Autour de tout ça. Je suis en train de regarder vers qui je pourrais vous emmener. Il y a du Elder Scroll of Arena. On a du Blood Bowl. Il y a la Ligue des Noobs. Ça fait longtemps qu'on les a pas emmenés. Il paraît qu'ils sont très sympas. Alors je dis il paraît parce que j'ai pas eu trop l'occasion en fait de jouer avec eux. Ou sinon, il y a du Don't Starve. Mais on va vous emmener chez Gitoun, il est très gentil, il est très sympa. Vous lui faites un petit coucou, pas obligé de follow, même si ça fait toujours plaisir et que ça coûte rien. Et puis que dire de plus? On va être honnête, je suis un peu salé, mais ça arrive, c'est le Blood Bowl, c'est comme ça. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres. Et je vous emmène tout de suite chez Gitoun. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est que... La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est que la Super Zat reprend un peu du poil de la bête. Et qu'on arrête d'être en retard. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Prenez soin de vous encore une fois. Et à très vite pour de nouvelles aventures. À ciao, bonsoir. Je vais aller faire un peu de Blood Bowl. Non, je vais aller faire un peu de Borderlands, ça va me détendre.